Grâce à ce remède, dites adieu à la douleur au genou en un jour seulement. Bonjour, aujourd'hui, je vous apporte une superbe vidéo qui peut vous aider à améliorer votre santé. Je vais vous expliquer comment préparer des remèdes faits maison pour soigner vos douleurs au genou. Dites adieu aux douleurs en une journée. Je vous invite à voir cette vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour toujours être parmi les premières personnes qui reçoivent nos nouvelles vidéos. La douleur de genou est une situation médicale très fréquente qui se produit en raison des activités constantes de l'articulation du genou. Et c'est une situation très fréquente chez les personnes âgées ou même chez les jeunes adultes. Les enfants et les femmes sont plus vulnérables à la douleur au genou que les hommes. Cette douleur peut provenir d'une rupture de ligaments et de cartilage du ménisque. La douleur au genou peut varier d'une douleur mineure à une douleur intense. La douleur au genou peut être causée par une faiblesse de la structure osseuse due au vieillissement. D'autres causes courantes incluent des blessures par fracture des ligaments, des lésions du ménisque, une luxation de l'articulation, des raideurs de genou en raison de l'arthrite, lupique et autres maux chroniques. En plus de la douleur, vous pourriez ressentir des symptômes tels que des raideurs au genou, des gonflements, des rougeurs perceptibles, des engourdissements dans les jambes affectées et des difficultés à marcher ou même à se tenir debout. Prenez soin de votre douleur au genou avec des remèdes faits maison simples et faciles. Ces remèdes vous aideront à guérir la douleur causée par une surutilisation inappropriée de votre genou. Ces remèdes peuvent également aider à soigner la douleur associée à la vieillesse, à des conditions telles que l'arthrite. Mais vous devriez également consulter un médecin pour un diagnostic et un traitement approprié. Voici 6 remèdes faits maison très efficaces pour soulager la douleur au genou. En numéro 1, l'application d'une compresse froide au genou douloureux. L'un des moyens les plus simples pour réduire la douleur est les enflures. Pressez les vaisseaux sanguins avec une compresse froide. Cela réduit le flux sanguin dans la région affectée et donc réduit l'enflure et permet de soulager également la douleur. En étape numéro 1, enveloppez une poignée de glaçons dans une serviette mince. Étape numéro 2, appliquez-la dans la zone touchée du genou pendant 10 à 20 minutes. Étape numéro 3, faites cela 2 ou 3 fois par jour jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Un sac de poids congelé fonctionne aussi. Vous pouvez également utiliser des compresses chaudes pour la douleur chronique. En numéro 2, nous avons le vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre de pomme est également utilisé pour réduire la douleur au genou. Grâce à son effet alcalinisant, la pomme dissout l'accumulation des minéraux et des toxines qui causent des dommages aux articulations de la laine et du genou. Aide également à restaurer et à réduire les douleurs et favorise la mobilité. Mélangez 2 cuillères à café de vinaigre de cidre de pomme dans 2 cuillères de tasse d'eau. Filtrez et bois ce mélange tout au long de la journée jusqu'à la guérison totale. Ajoutez 2 tasses de vinaigre de cidre de pomme dans la baignoire avec de l'eau chaude. Trempez le genou affecté dans l'eau pendant 30 minutes. Faites cela une fois par jour pendant quelques jours. Vous aurez aussi à mélanger 1 cuillère à soupe de vinaigre de pomme, d'huile d'olive. Utilisez-le pour masser le genou affecté 1 ou 2 fois par jour jusqu'à ce que la douleur disparaisse. En numéro 3, nous avons le poivre de Cayenne. Le poivre de Cayenne contient des capsaïcines qui fonctionnent comme un analgésique synthétique ou un analgésique naturel. Sachez que la capsaïcine produit un antidouleur de qualité qui réduit la douleur de genou affecté. Pour la préparation de ce remède, ajoutez 2 cuillères à soupe de poudre de poivre de Cayenne dans une tasse d'huile d'olive tiède. Appliquez cette pâte sur la zone affectée 2 fois par jour pendant au moins 1 semaine. Vous pouvez également mélanger 1 cuillère à café ou même 1/2 cuillère à café de poivre de Cayenne en poudre dans une tasse de vinaigre de cidre de pomme. Trempez une serviette propre dans cette solution et appliquez-la sur la zone affectée pendant environ 20 minutes. Répétez ce processus 2 fois par jour jusqu'à ce que la douleur se réduisent. En numéro 4, le gingembre. Si la douleur au genou est due à la fatigue musculaire ou même aux blessures, le gingembre est un remède efficace pour soulager la douleur et son efficacité provient de la présence d'anti-inflammatoires. Le gingembre peut réduire l'enflure au genou. Pour cela, vous devez écraser une petite portion de racine de gingembre fraîche, ajouter 1 tasse d'eau et faites bouillir pendant 10 minutes.
filtrez et buvez. Prenez une tasse de ce remède chaque jour jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'attends vos commentaires. N'oubliez pas de me dire de là où vous me suivez, de là où vous m'accompagnez. Pensez aussi à jeter un œil sur le site www.rosemoneyfashion.com et n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.